Et puis tout autre chose, Hélène Mandroux présentait cet après-midi son livre « Mère Courage » qui va sortir le 28 octobre prochain. Un ouvrage qui synthétise une série d'entretiens du maire de Montpellier réalisé par le journaliste Jean Kouchner. Pour Hélène Mandroux, le but de ce livre n'est pas de créer de polémiques ni de régler des comptes après l'épisode douloureux des élections régionales, même si certains passages ne sont pas tendres, notamment vis-à-vis d'un certain Georges Fraîche. On écoute le maire de Montpellier au micro de Jean Brun. Il faut du courage parce qu'on prend beaucoup de coups. C'est un milieu, vous savez, c'est un milieu de pouvoir. Tous les milieux de pouvoir, vous prenez des coups. Le problème, c'est que moi, je considère que tous les coups ne sont pas permis. Alors peut-être que je suis une politique atypique. Je récuse complètement de faire de la politique politicienne au sens négatif du terme. Et je pense que faire de la politique, c'est quelque chose de très noble puisqu'on est au service des autres. Et moi, j'ai passé ma vie à être au service des gens en tant que médecin, aujourd'hui en tant qu'élu. Et faire de la politique, c'est ça. Donc de temps en temps, il faut savoir dire non quand on pense que c'est non, et il faut savoir défendre les valeurs quand on pense qu'elles sont attaquées. Donc c'est un petit peu ça que j'exprime dans mon livre. Je ne suis absolument pas dans la polémique. Je crois que je considère que j'ai des valeurs, et ce sont ces valeurs-là, c'est pour ces valeurs-là que je me bats, et que c'est pour ces valeurs que je pense que c'est lié à la société. Aujourd'hui bouge, la société est difficile, elle est dure, donc il faut laisser les égos à la porte et se battre pour les gens qui en ont le plus besoin. Donc les petites phrases pour moi ne m'intéressent pas. Ce qui m'importe, c'est de faire dans l'intérêt des gens.